Horoscope Capricorne du 29 mai 2023. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. Avec la présente configuration astrale, il y aura, pour les célibataires, l'amour, la complicité, la tendresse, une merveilleuse entente avec l'être que l'on aime ou que l'on va rencontrer au cours de la journée, de quoi vous donner le courage de vivre. Votre vie conjugale n'aura rien d'un long fleuve tranquille. Vous serez en quête d'émotions fortes, et votre conjoint ou partenaire comprendra vite que vous n'êtes pas du tout disposé à lui offrir un confort affectif bien tranquille. Ce sera tout le contraire. Horoscope Argent. Il est probable que votre équilibre budgétaire soit momentanément fragile. Faites sérieusement vos comptes avant de vous lancer dans un achat important, vous éviterez ainsi les angoisses de fin de mois. Horoscope Santé. Une excellente résistance physique favorisée par Mars en aspect harmonique. Tel sera votre atout majeur en ce moment. De plus, vous gérerez sagement votre capital énergie et pourrez lutter contre les agressions microbiennes et virales, et fournir des efforts soutenus. Horoscope Travail. En jouant sur plusieurs registres, vous parviendrez à consolider votre position professionnelle. Mais ce sera de l'acrobatie, car vous devrez travailler sans filet. Attention donc à tous les risques en jeu. Horoscope Famille. Vos relations avec vos enfants seront influencées par Uranus et Neptune. Ces deux planètes assez positives vous permettront d'établir des relations de confiance et de tendresse avec vos enfants même si, parfois, ils vous surprennent. En ce qui concerne votre domicile et vos relations avec le reste de votre famille, la Lune pourra provoquer quelques difficultés. Horoscope Vie sociale. N'hésitez pas à solliciter le concours de vos amis et connaissances. Ils sont là pour cela, non, et c'est pourquoi Esperluette Côte. Un humble ami dans mon village vaut mieux que 16 frères influents à la cour Esperluette Côte. Proverbe chinois. Si vous n'avez pas d'amis, faites-vous-en vite, autrement vous le regretteriez.